L'honneur de la ville de Kalemi, Gédéon Kakudji Kalama, en collaboration avec l'association Umoja Ninguvu, lance officiellement le travaux de la construction du pont sur la rivière Kamalengela. C'est mardi 17 août 2021 à Kalemi, en présence de plusieurs membres de la dite association. Sur place, on pouvait noter le chef de quartier, le chef des avenues, le directeur provincial de l'office de voirie et drainage, ainsi que son sous-directeur en charge de technique. Plusieurs autres habitants de ces coins y étaient présents. Ces travaux sont une œuvre de l'association Umoja Ninguvu, initiative de l'ingénieur Yves Loubouli, qui travaille côte à côte aux populations de proximité et d'autoprise en charge. Umoja Ninguvu. Umoja Ninguvu. Kwa pamoja. Ces travaux communautaires vont s'effectuer avec les contributions communautaires et l'appui de l'initiateur de Umoja Ninguvu, Yves Loubouli. Précisons par ailleurs que cette œuvre sera effectuée du côté Kaïté, après le stade Saint-René au quartier Loubouyé. Gédéon Kakudji Kalama, lors du lancement officiel, a aussi expliqué sa satisfaction quant à la qualité de cet ouvrage et s'est appesanti à ses avantages. Du ya qualité à kazi ambayo inapasha kufanyika hapa. Mawazo yetu na maombi yetu ni kusema siku moja mimi nakuja na gari yangu mimi navuka hapa. Ndio. Tunafika kule Kalenga. Pour y arriver mpaka population na sisi serikali tujue kutembea pamoja. Ndio. Na ndio maana mimi naenda kushukuru hii association ya Umoja ni Nguvu. Hakika umoja ni nguvu, lazima muoneshe kweli kama umoja ni nini? Ni nguvu! Na kitu tawaomba na ba chef de quartier, na ba chef d'avenue. Kuko probleme batu, hapa tukingaliki ni mwanzo. Tunapose hii acte leo, nijua kusema tu desenclave. Haba na baba, batoto ba huku, banakuya kusoma ku college. Basianze tena kesho tukapate magumu ya banabebwa na maji. Mais lakini aussi il faut kuwaza kama mama anaweza kupata anaweza kuwa na machungu ya kuzaa usiku awe na urahisi wa kupita mwa hii barabara bampeleke hapa kwa hii dispensary. Nata Mogisho, coordonnateur provincial de l'Est de l'Umoja Ninguvu, quant à lui, explique ici comment est-ce qu'il s'est trouvé sur ce pas. L'initiateur de Umoja Ninguvu, je cite son excellence ingénieur Yves Loubouli, était de passage à Kalenge où il devait échanger avec sa base, il devait échanger avec les membres de l'association qu'il avait initiée. Et par cette occasion, la population avait présenté ce grand problème de la traversée de la rivière Kamanengela. Et la population avait décrit que cette rivière, pendant la saison de pluie, cause beaucoup de problèmes à la population parce que les enfants ne savent pas traverser pour aller à l'école pendant cette période de pluie. Et aussi, il y a des difficultés. Les gens peuvent être malades la nuit, leur évacuation pose problème parce que le passage, au fait, est une difficulté. Par rapport à cette demande, l'initiateur de Umoja Ninguvu, ingénieur Yves Loubouli, avait dit que le statut de l'association prévoit l'autoprise en charge. Il avait fait un appel à la population dans le cadre de l'autoprise en charge et la population avait répondu vraiment favorablement à cet appel. La population a amené le gravier, la population a amené le sable, la population s'est mobilisée au fait pour fournir certains matériaux localement ici. Et c'est ce qui a motivé l'initiateur de Umoja Ninguvu afin de toucher dans la poche et mettre le moellon, mettre les fer à béton, mettre les ciments à la disposition de la population. Et aujourd'hui, vous voyez un projet communautaire signé Umoja Ninguvu, mais aussi lancement des travaux par la mairie qui a même reconnu le mérite dans le cadre des sensibilisations et d'organisation de la communauté de Umoja Ninguvu. En fait, c'est un pont qu'on va jeter, il sera de 3,5 mètres des traversées de longueur et aussi en hauteur ce sera un pont de 3 mètres selon les études qu'on nous a présentées aussi. Il est vrai que je ne suis pas ingénieur comme vous l'avez dit, mais en entendre parler les ingénieurs et de l'OVD et ceux de Umoja Ninguvu, ce sera un ouvrage qui va supporter 25 tonnes. Ce pont qui sera jeté sur cette partie de la ville de Kalemi apportera également une amélioration en termes de temps, de parcours et de sécurité et permettra enfin une mobilité plus aisée pour le piéton et les motos.
motards entre les avenues, surtout lors de la saison de pluie. Le bénéficiaire de ce projet, on pouvait apercevoir le visage de joie, de consolation. Ils n'ont cessé de remercier Moïse Katumbi Tchapwe et Yves Loubouli du parti Ensemble pour la République du soutien combien louable en leur faveur. Lakini hivi tunashukuru tukiona batusaidie, tunaona vitu vizuri kabisa. Na hatukua tunawaza kama ile wazo inaweza fika. Lakini tunashukuru wakubwa bana tukuya nyuma banatusaidia. Batusaidia hata na maji tunahangaika. Tuko tunashota hapa mavi iko mkushuka bako mkunyamba mumai. Tunateseka juu ya kukosa mai nayo. Baki tusaidia kilalo, batusaidia na maji. Ndio kitu kia lazima kile tunapenda. Tunapata maendeleo, kilalo hiki kinatafuta kujengwa. Tunazidi kushukuru sana na kupiga asante sana kwa baba Yves Loubouli na kwa bakubwa yote ya leta na kwa baba yetu Moise Katumbi. Mungu azidi kuwabariki sana kwa msaada wao ambao wako natusaidia. Basi tuache. Tuko na magumu ya maji, tuko na magumu ya moto. Tunalia bazi kutunga mkono. Tuko na kunywa maji ya buchafu inapita mavi. Tunaikunywa inatuletea disanteri. Kumbe bazi kutuona batusaidie. Wakati wa mvula ni hatari. Wa mama yetu wanavula manguo mbele ya batoto purke bavuke mai. Me kwa hiki kitu kweli tunafurahi baba Yves Loubouli pamoja na Moise Katumbi kwa kutusutenir. Maombi yetu sisi ni kulala chini kesho yake Mungu amsaidie mu mavizio yake ambayo. Retenons tout de même que ce pont sur la rivière Kamalengela va désenclaver l'avenue du quartier Loubouyé. Il établira une liaison directe du Kayengele et Kaïté depuis l'église catholique Saint-René.